Alors, je tenais vraiment à remercier les internautes pour les internautes citoyens, hein, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, pour la qualité de leur contribution, vraiment excellente. Je suis frustré, vous devez l'être pour certains parmi vous, peut-être un petit peu, je n'ai pas repris la qualité de vos propositions, mais je vais lancer un appel à contribution à double titre. D'abord, Politoscope TV est une web TV fauchée, donc on va, un de ces quatre, mettre en place une sorte de tour de table, vous savez, à votre bon cœur, monsieur, dame, avec le chapeau PayPal, ou trouver une autre méthode, voire même créer un média dont les investisseurs soient les citoyens et dont ils soient les actionnaires. C'est une idée que nous avons lancée cet été, nous allons la poursuivre. Mais pour le moment, ce qui nous tient à cœur, c'est vos idées de plateau, chacune des propositions. Qui a, voilà, merci à Cheikh Yerbouti qui dit pensez au crowdfunding, les gars. Oui, c'est ce dont je parle. Merci Cheikh. J'ai essayé d'éviter les termes anglicisants affreux, mais pour ceux qui savent ce qu'est le crowdfunding, eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit. Mais pour le moment, on est au crowdsourcing, c'est-à-dire que nous allons sourcer vos idées pour faire les prochains plateaux, nous l'espérons, en compagnie d'intervenants tels que Étienne Chouard, que je remercie encore d'être là. Avec merci pour les plus 1 et tous les commentaires. Vous êtes vraiment super. Hein. Merci tous ceux qui sont en ligne. C'est très encourageant. Alors, un nouveau venu sur ce second plateau qui est Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Et au travers de vos interventions, nous allons mieux savoir qui vous êtes. Simplement, nous venons de faire un grand plateau introductif de plus d'une heure en compagnie d'Étienne pour connaître un petit peu les grandes lignes de sa pensée. Là, nous allons faire 4 séquences de 15 minutes, donc un peu plus autoritaire sur les délais. Étienne ayant une lourde obligation, dans une heure, de toute façon, il devra partir. Et à l'initiative de... pardon, j'ai encore un petit... Draffer, voilà, j'ai juste un problème à mémoriser le pseudo. À l'initiative de Draffer, que je remercie pour son extraordinaire travail de recherche, de préparation... Je ne suis pas seul, on était en collaboratif, hein, c'était quelque chose de collaboratif. Alors, avec Fabrice et Jean-Marc. Voilà, et en plus, il est extrêmement modeste parce que sur les sujets, je vois souvent. Non, Jean-Marc a fait le départ. Alors, pardon, Jean-Marc, mais. Collaboratif. Je suis en fait simplement sur la première page, j'ai pas encore tout vu, hein, c'est pour ça. Bon, mais je tenais quand même à le remercier parce que, à l'initiative donc de Draffer, nous allons parler des liens entre cette économie numérique et. Alors, le raccourci peut sembler extrême, mais il faudra bien qu'on le fasse à un moment donné, les liens entre cette économie numérique et ce peuple de citoyens qui s'expriment de manière décomplexée dans l'environnement digital, et la faillite des modèles de démocratie européens qui commencent à être voilà, des modèles de démocratie entre guillemets, me dit Étienne, puisque la so-called démocratie, à l'aune en tout cas du concept de démocratie véritable que vous prenez. Et donc de faire un petit peu le lien entre les deux. Comment ? Bah, en essayant d'imaginer ce qui peut émerger de viable basé sur cette participation des citoyens internautes. Là aussi, c'est peut-être un nouveau concept qui émerge. Allez, peut-être la parole pour nous aider à comprendre ce que pourrait être, si vous êtes d'accord avec cette introduction, ce que pourrait être cet internaute citoyen, comment est-ce qu'il pourrait intelligemment contribuer, en passant la parole donc à Jean-Marc pour démarrer. Ah, un internaute citoyen, donc. Voilà. Vaste sujet. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que là, on en a un bel échantillon qui participe, mais on pourrait essayer de donner une piste de lecture, savoir un peu comment on pourrait canaliser, utiliser, faire bon usage, en tout cas, de cette énergie. Eh bien, écoutez, moi, je vois... C'est quoi un internaute citoyen ? Ce serait quelqu'un de connecté à Internet qui a une conscience citoyenne, c'est-à-dire qu'il a... Il a conscience d'avoir en plus du rôle de consommateur, du rôle de professionnel, professeur, charcutier, que sais-je, le rôle de s'investir aussi dans la vie politique. Ça ne passe absolument pas forcément par l'inscription dans un parti politique, ça passe éventuellement par le fait de promouvoir en ligne des idées qui lui plaisent. Alors ça peut être l'idée du tirage au sort, ça en peut être d'autres idées, ou ça peut être également le fait de participer à ce que j'ai entendu, vous parliez beaucoup de hackerspace, c'est-à-dire d'endroits où on imagine des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, dans tous les domaines, hein, ça va je crois de l'informatique
à l'agriculture, au jeu, à l'éducation pour les enfants, de nouvelles méthodes éducatives. Enfin bon, ça recoupe tous les champs. Alors ce que je relève là dans l'immédiat, c'est que bon, ce que vous proposez, c'est en tout cas clairement quelqu'un qui est l'internaute citoyen est apolitique, et n'a pas de parti. Il n'est pas apolitique, mais il n'a pas de parti, pardon. Il a donc cette liberté d'expression. Il est conscient que tout ce qu'il va dire est inscrit sur un support qui laisse des traces. Donc il assure, il participe, il apporte sa petite contribution sous forme d'un effort de promotion conjointe avec les autres, promotion d'idées. Bon, okay. C'est une bonne première base pour vous, pour essayer déjà de... on peut partir de quelques postulats simples, hein, pour essayer déjà de, d'entrer en interaction avec nos amis internautes qui nous suivent. Et ça serait bien qu'eux-mêmes nous proposent leur définition de ce qu'ils pensent être en tant qu'internaute citoyen. Êtes-vous, oui ou non, ressortissant d'un parti, pensez-vous qu'un internaute citoyen implique cette liberté par rapport au parti, à l'existant? Bon. Fabrice Epelbois. Je crois qu'on a un très bon exemple d'internaute citoyen en Tunisie, avec ce qui s'est passé en Tunisie. Alors d'abord, l'internaute citoyen, c'est un collectif, hein, c'est pas un individu. C'est un collectif qui tout d'un coup prend conscience de lui-même et de sa capacité à faire changer les choses, et ça peut être à l'occasion d'un événement très banal. C'est un collectif qui tout d'un coup prend conscience que tout le monde est conscient, c'est ce qui s'est passé en Tunisie avec la corruption. Tout le monde voyait la corruption, elle était très très visible en Tunisie, mais on n'en parlait pas. Et tout d'un coup, Internet a permis de libérer cette parole, et puis il y a eu cet fameux effet Wikileaks qui fait que la preuve évidente, indiscutable, par un tiers, est venue confirmer aux yeux de tout le monde qu'effectivement, il vivait dans un système extrêmement corrompu. On pourrait tout à fait assister à ce genre de phénomène en France. D'abord parce que le niveau de corruption, sans égaler celui de Ben Ali, est quand même assez important en France. Le dernier rapport de l'OCDE pointait la France comme étant l'un des pays les plus corrompus de la zone euro. À côté de ça, on pourrait avoir des phénomènes de masse sur Internet, des phénomènes de foule, qui mèneraient vers une prise de conscience généralisée. Ça ne mènerait pas nécessairement vers un changement, vers une constituante avec tirage au sort, mais ça mènerait vers une crise, potentiellement une paralysie totale du pays, un peu comme ont vécu nos amis espagnols. Reste à voir comment, à partir d'une situation de blocage, de refus de toute solution politique, hein, c'est ce qui s'est passé en Espagne, on ne veut ni gauche ni droite, comment à partir de cette solution-là, on peut, d'une part, éviter l'alternative des extrêmes, et d'autre part, aller vers une constituante via tirage au sort. Alors, voilà un citoyen internaute bien ancré dans le réel. Je fais aussi un petit clin d'œil aux internautes, puisque l'un d'entre eux a dit « Attention, le web est une source d'information, il ne faut pas oublier le réel », et puis d'autres réagissent en disant « Attention, non, ce sont au contraire deux mondes bien réels, il faut pas... » Donc évidemment, cet internaute citoyen n'est pas dans un cyberespace, voilà, il n'est pas dans la virtualité. Fabrice le rappelle, ça n'existe pas. Hein. Voilà, c'est un concept inventé. Le monde virtuel qui est détaché du monde réel, c'est complètement fantaisiste. Donc, en tout cas, vous êtes tous bien d'accord avec ça, et ça se voit bien à travers de ce que vous dites. Alors, Draffer, si vous pouviez aussi rebondir sur ce concept d'internaute citoyen. Oui, moi je trouve qu'il y a des initiatives. Après, nous laisserons évidemment la parole. Il y a des initiatives très, très intéressantes qui existent depuis quelques années. Je prends toujours l'exemple des AMAP. Ce sont des réseaux de filières agricoles directes, en fait, entre l'agriculteur, de l'agriculteur vers le citoyen, le consommateur, mais qui sont montées, en fait, ces associations, par les citoyens eux-mêmes. Donc là, on s'empare, c'est un hack, pour moi c'est du hacking. Ils ont hacké une filière économique qui est celle classique du producteur. Après, il y a le distributeur, enfin avant le distributeur, il y a ceux qui achètent, les grossistes. Il y a plein d'intermédiaires, hein, jusqu'à la distribution dans les supermarchés la majorité du temps, ce qui fait que le producteur est très très peu payé. En général, même à un prix, même des fois à prix coûtant ou en dessous du prix de revient. Et le citoyen, au final, consommateur, paye par un supermarché, donc c'est complètement verticalisé, un prix extrêmement élevé. Les AMAP, c'est associatif, c'est national, ils ont monté leur truc, chacun peut monter une AMAP, et c'est un réseau peer-to-peer. Et en fait, c'est un schéma de peering, c'est-à-dire le peer-to-peer que tout le monde connaît avec les logiciels qui permettent d'échanger des fichiers. Là, c'est un échange entre des gens qui produisent des légumes des gens qui ont besoin d'acheter des légumes et qui sont ensemble. Les producteurs sont pas du tout, font partie de la map, exactement comme ceux qui achètent dans la map. Donc, quand j'entends parler de comment on pourrait faire ça, il y a déjà des choses qui se font. Et je pense que ces principes de peer-to-peer peuvent se basculer à plein de niveaux. Il y aurait moyen d'échanger, de faire de l'échange,
à plein d'autres niveaux que simplement des fichiers, où là, on parle d'une filière agricole. Il y aurait moyen de faire de l'échange de services, de solidarité, de plein de choses, en mettant sûrement en jeu Internet, parce qu'il y a une facilité, une facilitation communicationnelle. Et à partir de là, effectivement, les gens deviennent acteurs. On n'a pas besoin d'une institution, on n'a pas besoin d'une organisation supérieure, verticalisée, avec des hiérarchies, des étages, pour simplement permettre à ce que, par exemple, des personnes âgées ne soient pas isolées dans leur coin. Je veux dire, ça serait extrêmement simple à faire, et c'est extrêmement simple à faire. Simplement là, c'est uniquement la volonté des citoyens et l'envie. Donc quand tout à l'heure, effectivement, il y avait beaucoup de demandes qui étaient « mais comment est-ce qu'on fait ?», moi, j'ai l'impression que « just do it ». C'est quand même ce principe. Et il y a les outils, il y a les idées. Il y a des gens qui déjà le font. Alors Étienne Chouard, ayant été lui-même surpris en 2005 par le succès de ses écrits sur la toile sans avoir rien prémédité, maintenant que vous commencez évidemment à prendre un petit peu de recul sur ce phénomène qui a lieu et qui continue de s'amplifier, que pouvez-vous légitimement attendre? Vous pouvez me gronder si ce n'est pas la bonne manière de formuler la question, mais... Est-ce qu'on peut attendre, dans votre position, quelque chose de l'Internet, des internautes, évidemment, pas de l'Internet, des internautes avant tout, pour que votre pensée, mais cette idée qui est nécessairement virale, puisse éclore et s'imposer là où elle doit s'imposer? Il y a un gars qui s'appelle Bayard, qui suggérait une idée que je trouvais forte, que l'imprimerie avait donné à l'espèce humaine un droit nouveau très important qui était le droit de lire, et que ça avait été une révolution majeure dans l'évolution de l'espèce. Et il suggérait que l'Internet était peut-être une révolution de même ampleur, en donnant aux gens, au commun des mortels, donc à tout le monde, le droit d'écrire, ce que n'avait pas donné l'imprimerie. L'imprimerie, il y avait encore un ticket d'entrée dans le geste d'écriture qui permettait de filtrer et donc qui empêchait au commun des mortels d'écrire. L'Internet nous donne, et je trouve ça plausible, je trouve ça intéressant comme façon de décrire cet outil, donne au peuple le droit d'écrire, et donc lui donne le droit d'organiser l'éducation populaire dont nous avons besoin pour nous émanciper de ceux auxquels nous avons l'habitude d'obéir. Alors juste une petite remarque à faire pour la régie. On nous fait part dans les commentaires des internautes du fait que le micro d'Étienne est un petit peu bas par rapport à nous, si c'est possible de l'augmenter légèrement, si c'est possible, sinon c'est pas très grave. Ou alors, d'accord. Alors bah, Étienne, il faut parler un peu plus fort. Voilà, je vais faire comme si celui à qui je parlais était... Voilà, désolé. Moi, ce que je suggère, c'est de prendre nos problèmes à la racine, donc d'essayer de comprendre d'où vient notre impuissance politique. Et il me semble que ce que je suggère n'est pas contradictoire avec les résistances de chacun en matière écologique, agricole, enfin de distribution alimentaire, de lutte contre la corruption, de lutte contre les injustices sociales dans les entreprises. Ce que je suggère est complémentaire. En plus de nos résistances habituelles dont nous connaissons bien les rouages, nous devrions intégrer tous une pièce de puzzle supplémentaire qui, à mon avis, sera décisive, qui est arrêtons de nous disputer sur les conséquences et sur les détails, on s'engueulera après, reconstruisons notre puissance en faisant l'acte politique de vouloir écrire nous-mêmes notre contrat social. Et ça demande, il va falloir prendre un peu d'énergie à ce qu'on a l'habitude de faire pour prendre le problème différemment en devenant radicaux, en prenant le problème à la racine. Par ailleurs, quand vous parlez de citoyens, moi maintenant je fais attention à faire un geste pour montrer que quand on parle de citoyens aujourd'hui, on se paye de mots, on se la pète comme si on était... Non, nous ne sommes pas citoyens. Un citoyen... il me semble, et quelqu'un qui est autonome, c'est-à-dire qui produit lui-même, qui au moins participe à la production, participe directement à la production du droit auquel il consent à obéir. Un citoyen est un acteur politique adulte qui peut avoir des représentants mais qui reste des serviteurs et qui en aucun cas ne sont des maîtres. À l'opposé, un électeur est un être hétéronome qui subit le droit écrit par d'autres et qui est un peu comme un enfant politique et qui donc délègue à d'autres le pouvoir d'écrire le droit auquel
il obéit. Et je trouve que cette distinction entre électeur et citoyen est majeure. Et en acceptant d'être appelé ou de nous appeler nous-mêmes citoyens, on participe à la construction de la prison. De la même façon que quand on accepte d'appeler démocratie un régime dans lequel démocratie, demos kratos, le pouvoir au peuple, le peuple ayant le pouvoir. Nous acceptons d'appeler démocratie un régime dans lequel nous désignons nos maîtres, qui vont tout. J'exagère pas, hein, je ne suis pas démagogue, populiste. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le même mot. Je suis populiste, je ne suis pas démagogue. Mais en tout cas, je n'exagère pas. Nous acceptons, les maîtres, les gens que nous élisons, vont tout décider à notre place. Nous acceptons d'appeler démocratie un régime dans lequel nous désignons nos maîtres parmi des gens que nous n'avons pas choisis, qui sont même choisis parmi les plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont acheté les médias, qui permettent la courbe entre les passages à la télé et les résultats aux élections. Cette courbe, ces deux courbes sont incroyablement parallèles. Vous passez à la télé, vous allez être élu. Vous êtes celui qui est le plus passé à la télé, vous êtes celui qui est élu. Vous êtes celui qui avait un peu moins d'heures à la télé, vous êtes moins élu. C'est-à-dire que notre volonté, nos discussions politiques n'ont pas d'impact. N'ont pas d'impact sur l'élection. Quand on disait tout à l'heure élection piège à con, c'est cette double courbe des heures de passage à la télé et des résultats aux élections, elle est extrêmement parlante, je trouve. Elle est la manifestation que nous ne récupérerons jamais le pouvoir politique tant que nous laisserons les médias achetés par les banques, les industriels. Alors maintenant, je vais vous demander de simplement raccorder avec le sujet de cette table, à savoir Internet dans tout ça comme source de comme connecteur. En quoi vous voyez cela comme un outil C'est notre seul susceptible de faire fonctionner cette si, si, ah ben c'est notre seule bouée, si c'est notre seule bouée de sauvetage. Effectivement, il y a une corrélation entre temps de présence politique à la télé et élection, une corrélation directe. Presque parfaite. De là, on déduire, enfin, corrélation n'est pas raison, mais quand même, c'est très troublant. Il y a, ceci dit, un espoir qui est que les taux de confiance accordés par les électeurs citoyens, comme on veut, aux grands médias, radio, télé, presse, papier, etc., sont en chute libre. Donc, on arrive à horizon 2, 3, 4 ans, selon les typologies de médias, à un moment où Internet va croiser cette crédibilité. Parce qu'Internet, lui, a une crédibilité. Internet dans son ensemble, n'importe quoi qu'on trouve sur Internet aujourd'hui est jugé par le français moyen de plus en plus crédible par rapport à n'importe quoi qu'on trouve sur du média officiel, du gros média qui coûte très très cher à faire et qui effectivement est une barrière à l'entrée phénoménale pour l'expression, contrairement à Internet. Et on arrive d'ici très peu de temps, finalement quelques années, on va arriver à le croisement de ces taux de crédibilité et à un moment où on sera dans une situation, là encore je vais reprendre mon exemple tunisien, où les médias sont absolument pas crédibles et où n'importe qui sur Facebook a la même crédibilité que n'importe quel média officiel. Et donc, on y arrive tout droit. Et là, on aura un changement des règles du jeu. Alors, donc, conclusion d'Étienne là-dessus, pour clôturer ce matin. Mais pour gagner une élection, il faut être celui qui a eu plus de voix, quand même. Et le taux de crédibilité diminue et les gens se méfient de plus en plus des acteurs politiques. On est à 70%, je crois, en France, qui se méfient de tous les partis politiques. Et pourtant, ça n'a aucun impact sur l'élection, puisque dans la Constitution, il n'y a pas de quorum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un minimum de participation à obtenir pour gagner. Absolument. Et donc, même si on prévoit que dans 2 ans, le taux de confiance sera réduit à 5%, imaginez même, c'est-à-dire que 95% des gens se méfient, le gars qui a une voix, il est élu. Le gars qui a une voix de plus, il est élu, même s'il en a une poignée. Absolument. Donc, on est dans un piège. Ça se voit de plus en plus. Ce qui passait discrètement ou ce qui allait de façon très naturelle il y a encore une décennie, aujourd'hui se voit de plus en plus. Oui. Alors, mais je crois que ça se voit déjà, mais que l'impact sur la sphère politique est nul, j'allais dire quasi nul, mais ben, quasi nul parce que tout continue comme avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se casse la figure, mais ils n'ont pas besoin que nous soyons nombreux à les élire. Il suffit qu'on soit très peu nombreux. Après ça, la police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, les pouvoirs constitués obéissent à la Constitution. Ce monde-là est très légaliste. On arrive à un moment, on ne pourra pas appeler ça démocratie sans que la question peut-être qui est importante et intéressante, c'est je reviens aux révolutions arabes et l'impact, l'importance d'Internet dans ces mouvements, et particulièrement en Tunisie, où vraiment ça a été très très marqué, les débuts des indignés en Espagne, et qui ont quand même réuni énormément de monde sur la place Puerta del Sol, c'était très 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 important, et ça a duré 2 mois, ça a continué dans les quartiers, ils ont fait des constituantes dans les quartiers, ils ont discuté jusqu'à l'automne, où ça a repris aux États-Unis, tout ça avec Internet au cœur, au centre de ce débat démocratique, populaire, entièrement instigé
par le peuple, sans l'avis des, contre les politiques, sans l'avis des politiques. Et on a eu en France beaucoup de tergiversations, il ne s'est rien passé. Mais on sent et on peut penser que se réemparer en tout cas de la politique oui. est possible grâce à cet outil. Sans cet outil, ça serait impossible. C'est une, à peu près une évidence. Donc est-ce que... Voilà. Comment est-ce que... Mais oui, absolument. L'Internet est notre seule bouée. C'est le seul outil qui nous reste. Mais si on parle tous en même temps avec des objectifs différents en se battant sur les conséquences, ça fait un brouhaha et on est totalement inefficace. On gesticule, on est là, on est une espèce de meute, on n'est pas peuple, on est une multitude. Il y a une différence entre peuple et multitude. Je pense que si nous arrivions à cesser de nous disperser, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de notre dispersion, il faut prendre conscience de notre dispersion. Prendre conscience de ce que cette dispersion est, non seulement elle est dispersion, mais en plus elle est mal ciblée, elle est ciblée sur des conséquences. C'est drôle parce que... Il me semble que si on veut changer quelque chose, il faut non seulement qu'on utilise Internet, ok, mais il faut qu'on arrête de s'en prendre aux conséquences qu'on s'en prenne, qu'on cherche une ou deux, mais ce serait mieux une cause... Et puis qu'on se concentre dessus. Pourquoi les pour qualifier, c'est-à-dire qu'on arrête de se battre sur les détails. Peut-être juste pour équilibrer les temps de parole. Laisser Jean-Marc qui voulait réagir à ce que disait Antienne. Effectivement, je pensais à ce que vous disiez, c'est-à-dire que bon, pour vous, la cause est liée à la Constitution, à qui l'écrit, et à la manière où justement donc cette Constitution permet au peuple, hein, c'est-à-dire à tout le monde, de contrôler son destin. On peut résumer comme ça. Simplement, c'est quelque chose de, on va dire, de théorique. C'est très concret, il n'y a pas plus concret. Non, parce que, je veux dire, de point de vue conceptuel, parler de constitution, d'équilibre des pouvoirs, je crois qu'il faut admettre que même si c'est au cœur des choses, ce n'est pas un discours fédérateur. C'est un passage obligé, mais ce n'est pas un discours fédérateur pour une majorité de gens. À moins d'en passer par un processus viralisant qui, tout d'un coup, emporte une masse énorme. Et ce n'est pas impossible. C'est là où moi je voulais raccorder avec les mouvements. Entre les mouvements. Il faudrait qu'on arrive à trouver, et je ne l'ai pas encore trouvé, la façon d'expliquer le lien direct, quasiment direct, qu'il y a entre la Constitution et les problèmes des gens. Voilà. Parce qu'il existe ce lien. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'expliquer. C'est très concret, la Constitution. C'est ultra concret. Quand les banques écrivent la Constitution, les banques, quand elles écrivent la Constitution, l'anticonstitution européenne, les banques l'écrivent, la font écrire par leurs avocats. Mais quand les banques la font écrire, elles ont mieux compris que nous que c'est très concret de savoir qui contrôle les pouvoirs. C'est pas du tout abstrait. Alors, je parlais pour les gens qui ne se sont pas intéressés vraiment à cette question de manière très poussée. Est-ce que, à votre avis, la question de la Constitution européenne, de l'Union européenne... L'anti-constitution. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas du sujet. Je veux vraiment que là, qu'on essaye d'établir un lien entre ce qu'Internet peut apporter de structurant ou de complètement déstructurant ou de nécessairement bordélique, vous le disiez dans le précédent plateau, pour que cette idée puisse un jour s'incarner. Enfin, moi, je voulais relier ça à des mouvements qui ont été extrêmement... Enfin, pas mal médiatisés. Je pense à Anonymous... un peu aussi à côté, qui a été médiatisé moins, mais Télécomics, des mouvements de hackers activistes qui ont justement déterminé qu'eux, il y avait des choses qui leur plaisaient pas, qu'il y avait des choses qui leur plaisaient. Et donc, ils étaient capables de s'emparer, de faire connaître leur motivation, de faire passer un message très fortement et d'avoir des objectifs qu'ils atteignaient et donc d'avoir une audience et puis d'embarquer des gens. C'était des dizaines de milliers de personnes pour faire les deny, distributeurs de deny. Des millions en ce qui concerne l'anime. Et en millions. Sur des phénomènes alors, très, très massifs. Voilà. Mais ce qui est important peut-être à comprendre et à bien voir, c'est que si ça a fonctionné, c'est parce que les gens qui ont participé, souvent des gens assez jeunes, sont sortis de l'idéologie politique. Ce ne sont pas des gens qui sont de droite ou de gauche, ce ne sont pas des gens qui défendent le marxisme ou le libéralisme ou je ne sais quoi. Ce sont des gens qui ont simplement dit, il y a des choses on n'en a plus rien à faire de la politique en tant que telle. Les politiciens... la politique politicienne. Les idéologies politiques du XXe siècle, les vieilles idéologies un peu poussiéreuses, ne nous intéressent pas. Et à partir de là, on a par contre, nous, un nouveau monde qu'on a envie, on aimerait voir émerger. Et ce nouveau monde, il est fait de certaines valeurs. Draffer, est-ce que vous êtes bien en train de nous dire qu'avec les
l'éclosion de ces premiers mouvements-là, on a un commencement de début de preuve qu'Internet peut jouer un rôle structurant pour la suite ? Oui ou non ? C'est pas Internet qui va être structurant, c'est la façon dont on s'en sert. On ne peut pas attendre du téléphone, quoi que ce soit. Si. Parce que l'Internet en lui-même... Non, là, on parle bien de l'outil. On a volontairement centré ce débat sur l'outil. On parle vraiment de l'outil. L'outil, un outil comme Facebook, prenons un outil qui ne fait vraiment pas l'unanimité chez l'hacker, impose une certaine structure de relationnel au sein d'un groupe, impose une certaine façon ou des certaines façons de transmettre de l'information dans un groupe, et donc donne sur un plateau des solutions. L'outil en tant que tel, j'insiste bien, pas la façon dont on s'en sert, parce que l'outil présuppose des façons de s'en servir, qui peuvent être détournées, mais malgré tout, l'outil, que ce soit Twitter, Facebook ou un autre, présuppose des façons de s'en servir, et du coup, indique des voies d'action et des méthodologies pour typiquement diffuser un message ou faire une action collective. Vous avez vu qu'Étienne, on cherche vraiment à vous amener sur le terrain, au-delà de l'idée et de sa diffusion en partant du principe, et même de l'hypothèse que ça va marcher, que sa diffusion sera puissante avec le temps. On veut vraiment vous amener sur ce terrain où, une fois que l'idée est incarnée, on a le bon outil pour qu'elle puisse triompher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour le coup, le réseau et les outils qu'on peut développer sur le réseau sont sans fin, c'est infini. Et ça, c'est important. Et la façon dont les gens peuvent s'en emparer hyper facilement, très rapidement, parce que justement, ils ont une motivation et que c'est une évidence. Et quand on voit effectivement les mouvements comme Anonymous, qui ne sont pas des mouvements de hackers en tant que tels, sont des mouvements activistes. C'est-à-dire, c'est l'idée de... on se met tous ensemble pour aller... l'église de Scientologie... C'est l'essence d'un mouvement citoyen. Tout à fait. Et c'est Internet, au sens où c'est cette possibilité de se réunir dans un très grand quorum, en se défaisant de toute sa dimension identitaire, sexe, religion, horizontalisation géographique, tout ça, qui va donner naissance à une forme de collectif qui était impossible sans anonymat et donc sans Internet, et qui va donner cette puissance politique. Un logiciel, Loïc, pour pouvoir faire une action, une manifestation. Essayons, s'il vous plaît, maintenant de sortir d'exemples, je vais les qualifier d'anecdotiques pour le moment, à l'échelle du grand chantier qui est le changement du monde et de la démocratie. Donc ça reste anecdotique. Pour le moment, je vais vous poser la question encore plus, de manière encore plus brute et basique. N'avez-vous jamais rêvé d'une plateforme idéale dans laquelle on puisse, en quelque sorte, capitaliser sur les idées Avez-vous rêvé d'utiliser le réseau d'une certaine manière? Si oui, allez, décrivez-nous ce rêve. Ça, c'est une autre question. Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il nous manque des outils. Il y a un outil formidable qui a commencé à être programmé et puis manque de moyens, ils végètent, ils n'arrivent pas à avancer. L'Internet, donc l'interconnexion des humains au niveau mondial, mais au moins au niveau national, au niveau du corps social, du corps qui fait société, l'interconnexion devrait rendre possible quelque chose d'absolument essentiel qui jusque-là est resté complètement mythique, mythifié, qui est la volonté générale. Pour l'instant, il n'y avait aucune façon de connaître la volonté générale. Elle était juste inaccessible, on pouvait juste la deviner. Et ça a permis à des voleurs de pouvoir, c'est comme ça que je les appelle, c'est plus clair, ça a permis à des voleurs de pouvoir de prétendre l'incarner, prétendre la représenter à eux tout seuls et à se transformer en maître. Aujourd'hui, avec l'Internet, et à condition de le sécuriser, ce qui pose des problèmes qui, à mon avis, ne sont pas encore tout à fait réglés... Qui ne peuvent pas l'être. Structurellement, c'est pas on ne peut pas sécuriser... C'est impossible. La sécurité à 100% n'existera jamais. Alors peut-être que c'est une impasse, mais bon, ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose de pas sécurisé à 100%. Alors ce n'est pas une impasse pour Manutopix et son pseudo qui dit... Je lance un appel aux hackers créatifs engagés. Une plateforme sociale en cours de construction permet le tirage au sort. Elle est à l'adresse dev.gmo.fr. C'est pas ça l'idée. L'idée géniale, c'est celle d'un... Le site s'appelle... DemExp, Democratic Experience, expérience démocratique. C'est un site qui permet, on peut décrire en une minute son fonctionnement, c'est vraiment, ça fait rêver en termes de production et de captation, de compréhension de ce qu'est la volonté générale. Le site permet, on s'inscrit, on prouve qu'on est, donc avec un login évidemment, un mot de passe, on prouve qui on est, et le site permet de poser les questions aux autres. Donc l'initiative est populaire, donc chacun peut être à l'initiative d'une question, de poser une question aux autres, permet éventuellement de répondre aux questions posées, d'y répondre, ou de répondre à d'autres questions. Quand
on permet à chacun de voter sur la question en disant « cette question est importante, celle-là ne l'est pas ». Parce qu'il va falloir ensuite... Le nombre de questions, évidemment, va être considérable. Il va y avoir un trop grand nombre d'informations. Et donc, le problème du filtrage de cette information pour y accéder est absolument essentiel. Mais il y a plusieurs façons d'y entrer. On peut, quand on arrive sur le site, voir quelles sont les dernières questions en date ou voir quelles sont les questions les plus traitées. Je me permets de te pointer du doigt une start-up américaine qui s'appelle Quora, qui fait ça très bien, avec d'énormes moyens financiers, donc... vraiment très très bien, ouais. Et qui effectivement est un lieu de discussion d'une qualité extraordinaire, mais orienté sur une start-up américaine. Ils n'ont pas vraiment vu des utilisations démocratiques, mais chacun est libre de s'emparer de l'outil et de le faire sien. Et de pointer une autre technologie qui s'appelle Liquid Democracy. Liquid Feedback. Voilà, Anthony va être content parce qu'il n'arrête pas de crier sur le chat en disant « Pourquoi personne ne parle de la démocratie liquide ?» On allait y venir, Anthony, on arrive. Liquid Democracy, pour faire extrêmement synthétique, consiste à catégoriser les grandes les grandes questions en catégories. Et le choix des catégories est déjà un challenge en tant que tel et pose des questions du type économie, finance, sociale, fiscalité, etc. ou ce que vous voulez, selon la communauté dans laquelle vous mettez en place, et ensuite à voir s'installer dans la communauté qui participe à cette expérience des gens qui vont afficher une spécialité, une expertise sur tel ou tel domaine, et tout le monde est appelé à voter sur une multitude de choses, et à déléguer éventuellement son vote sur certaines de ces catégories à des experts ou à des gens en qui ils ont confiance ou à qui ils veulent, et ces votes-là sont publics. Ce qui fait que je suis en permanence en train de répartir une espèce de capital vote selon les catégories fiscalité ou sociale à des experts qui votent pour moi parce que je leur fais confiance dans leur vision globale de leurs... Alors cette initiative est issue d'un collectif de développeurs qui ont fait ça à titre gratuit. Qu'est-ce qui est derrière, C'est une réflexion philosophique et politique qui a donné lieu à au développement d'un logiciel. Mais vous êtes quand même tous conscients que dès qu'on parle de développement logiciel, on parle de la maintenance, de la viabilité de l'outil. D'ailleurs, Manutopic en profitait pour pointer que malheureusement le lien demex.org est mort. Donc c'est une initiative qui ne s'est plus lui-même pointé. Voilà, il y a quelqu'un qui parlait de Reboot Game, qui est un serious game qui voulait aussi permettre de mettre en scène des modèles politiques, économiques, sociaux. Merci à Vincent Pébert de nous l'avoir mentionné. Il y a d'autres exemples, désolé pour ceux que j'oublie. D'autres personnes, en tout cas, viennent sur le site vraiment dire merci de parler de démocratie liquide. Ils sont plusieurs à le dire. D'ailleurs, adopté par les partis pirates. Voilà. Mais en tout cas, moi, Allemagne particulièrement. En Allemagne, uniquement. Je ne sais pas très bien saisir ce qu'ils ont adopté. Ils sont en pleine restructuration. Mais en Allemagne, en tout cas, ils ont adopté liquide démocratie. Et c'est certainement avec la Suède. L'expérience de Parti Pirate la plus intéressante à suivre. Alors il y a aussi en Finlande, c'était mentionné dans un chat précédent, beaucoup plus haut, une expérience aussi de crowdsourcing pour le vote, en tout cas la proposition, le vote de loi. C'est le ministère ouvert, c'est ça? Mais voilà, vous êtes quand même bien, d'accord que tout ça pose une question de viabilité du système et que cette viabilité du système repose sur la bonne volonté des gens et que croire dans la bonne volonté des gens, c'est faire comme vous, Étienne, c'est croire fondamentalement dans le fait que l'homme est bon. Oui, mais peut-être il faut se reposer la question. Personne n'aurait misé un copec sur GNU Linux en 91-92, quand le premier noyau est sorti. Enfin, je veux dire, voilà. Draffer, développer un logiciel, ce n'est pas la même chose que de gérer des choses qui ont un rapport au pouvoir. Ce que je veux dire, Linux impliquait aussi un rapport au pouvoir et une lutte. C'est pas la même chose quand même que de vouloir écrire les lois. GNU Linux impliquait une façon radicale de penser la hiérarchie, l'entreprise, la gestion de projet, la création de quelque chose au sein d'une équipe et la propriété de Et avec une multinationale qui avait 95% sur la planète de part de marché qui s'appelait Microsoft. Je crois qu'il faut trouver un équilibre entre d'une part les désirs. Bien sûr, mais pour aller jusqu'au bout simplement, c'était pour prendre un exemple. C'était pour aller jusqu'au bout de ma démarche, c'était dire le problème n'est peut-être pas la bonne volonté des gens uniquement, c'est l'idée, les outils on les a. Voilà. Le réseau il est là, les outils on les a. À partir de là, il suffit que les gens aient envie. S'ils ont envie, le fait de la maintenance, de maintenir, de garder la chose et qu'elle tourne, qu'elle soit mieux sécurisée, c'est tout à fait possible. Alors, merci. C'est simplement une envie et une volonté. Je me permets de t'interrompre parce que justement, c'était l'objet de la seconde partie de ma phrase et de ma question, notamment. Il y a juste une petite périphrase qui me dérange dans ce que toi-même tu viens de dire. À partir du moment où les gens ont envie. Alors,
Tu cites un exemple qui est potentiellement généralisable, parce que le concept est beau. Merci d'avoir donné cet exemple lié au monde de l'open source. Il me semble bien s'appliquer à un certain type de collectif, à une certaine philosophie de pensée. Je n'ai pas encore la preuve qu'il est universalisable. Moi, personnellement, je n'ai pas le même optimisme qu'Étienne sur la nature humaine. Je sais que demain, si Politoscope... je ne suis pas du tout en train de prêcher pour ma paroisse. Je suis totalement détaché du sujet. C'est une expérience, Politoscope. Donc je le dis sans frustration, sans volonté de passer un message. Je fais un constat simple. Je sais que demain, si je faisais un appel à contribution sur Internet en disant « c'est un média vraiment alternatif, vraiment indépendant, je n'ai pas le moindre investisseur occulte dans le capital de cette société, je propose aux internautes d'avoir un vrai média dans lequel, enfin, des personnalités comme Étienne pourront prendre la parole des heures et faire et donc de la pédagogie telle qu'on a besoin d'en faire, loin de tous les concepts de démocratie spectacle, et bien pardonnez-moi de la conclusion, je sais que je n'ai aucune chance. Donc moi, en tant qu'homme des médias et qui travaille dans ces environnements, autant j'observe avec beaucoup d'admiration le succès de modèles fabuleux qui ont existé grâce aux hackers, grâce à des développeurs généreux de leur temps, grâce à des intellectuels de très niveau. Donc si c'est passé dans le monde du logiciel libre, et je pense qu'aussi bien dans le monde des médias qui pourraient être de vrais relais démocratiques, et dans le monde aussi de cette démocratie que vous appelez de vos voeux, donc qui n'est pas la démocratie avec des guillemets, mais la démocratie véritable, je fais partie des pessimistes. Je ne pense pas que les gens mettraient la main à la poche. Je ne pense pas. Et donc, vous voyez bien que, c'est ça le fond de mon intervention, pardonnez-moi, c'est simplement de dire que finalement, tout ce dont on parle autour de cette table, quoi qu'on puisse aborder comme sujet, tout procède d'un postulat de base. Peut-on croire dans le fait que le fameux citoyen existe ? C'est pour ça que j'ai tenu à ouvrir ce plateau en vous demandant qu'est-ce que ce citoyen, internet citoyen, peu importe, pour vous obliger à parler de ce citoyen libre, autonome. Eh oui, mais enfin, quand on lui propose enfin d'être autonome et de financer un média, c'est quand même très difficile. Je sais, tout le monde me sort le fameux marronnier génial dans toutes les discussions qui est de dire « si, arrêt sur image, regardez ». Non, mais je ne lirai pas dans ces exemples. Il n'y a pas de média libre et financé par des citoyens. Et je ne pense donc pas, moi, et je vous interpelle là-dessus pour voir si vous pouvez peut-être répondre à ce cri de désespoir, je ne pense pas qu'il y ait une maintenance durable d'une plateforme numérique qui puisse réellement résoudre nos problèmes, parce qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un la subventionne. Voilà mon vrai problème. J'aimerais qu'on essaie de mettre le doigt là-dessus, ou que quelqu'un me réconcilie avec le fameux peuple des internautes citoyens pour savoir s'ils sont capables de cofinancer tout ça librement, sans influence partisane. Et pourquoi vous avez repoussé le contre-exemple, pourtant il me semble significatif, d'arrêt sur image? Ils font payer une somme dérisoire, ils font payer, je crois, 3 euros par mois, et ça leur permet d'être indépendants. Parce qu'il y a eu des investisseurs au départ. Ils ont eu besoin de financer plusieurs. Mais une fois que c'est fait. Mais c'est pas ça. Mais ça demande un très gros apport de capital. Non, mais c'est pas ça le problème. Excusez-moi de vous interrompre, chers amis. C'est que ça n'a jamais été un modèle universalisable. Ça reste pour moi extrêmement anecdotique à l'échelle de ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire à un moment donné changer la société. Par ailleurs, peut-être qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Parce que là, on est en train de comparer des médias. Parce que c'est tout ce qu'on a. Oui, non, mais on ne parle pas de tous les médias. On parle bien de un ou deux médias ici, un autre. Là, on parle de quelque chose qui concerne tout le monde, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire le fonctionnement dans la société des individus. Tu vois bien que la frontière est floue entre la plateforme dans laquelle on va communiquer des idées nouvelles et un média qui va à un moment donné permettre de les relayer. Il faut reconnaître que les médias... Moi, je ne suis absolument pas optimiste. Mon problème n'est pas là. Je dis juste que c'est peut-être les comparaisons sont pas... Après, qui ne tente rien à rien, il faut peut-être essayer. Ça peut se casser la gueule en 2 mois ou 3 mois, j'en sais rien. Mais dans l'idée, ça n'a pas été fait. Typiquement, nous, on a tenté. Reflet, qui est un média qui existe depuis maintenant plus de 2 ans, qui a quand même dans ses faits d'armes l'affaire Takieddine, des grosses enquêtes extrêmement sérieuses, fonctionne. Enfin, le modèle économique, c'est le don. Et ça ne marche absolument pas. On a un lectorat énorme. Pardonne-moi, le don de soi. Tu fais quand même partie des gens. Non, mais ça, moi je fais partie de l'équipe. Mais le don de soi. Soyons clairs, il y a des rédacteurs au sein de Reflet qui investissent un temps phénoménal parce qu'ils sont indirectement financés, que ce soit par leurs parents, leur fortune personnelle, leur indépendance, des capacités, un contexte propice. Bref, ils n'arrivent pas à en vivre. C'est quand même un problème. Et il n'y a aucun espoir, absolument aucun espoir. La quantité de dons qui arrive à Reflet, si on le met en regard du lectorat,
C'est absolument risible. C'est le journalisme, l'aristocratie du journalisme. Voilà, c'est des gens qui se font plaisir parce qu'ils peuvent faire sur Offlay ce qu'ils n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de faire ailleurs en tant que journaliste, en tant que citoyen, en tant que prof, en tant que... Alors voilà, le constat est posé. J'imagine... Laissons réagir Étienne Choix. Moi, j'imagine pas de journalisme autrement que comme ça. Il faut que les... Pendant la Révolution française, on appelait les journalistes, on les appelait les sentinelles du peuple. Et donc, c'est vraiment un rôle. Pour moi, le journaliste, c'est quelqu'un d'essentiel. À partir du moment où il est salarié, où il dépend de quelqu'un d'autre pour son activité journalistique, son intégrité, son indépendance est plus que menacée, elle est quasiment condamnée. Je sais qu'il y a quelques exceptions qui permettront de me contredire, mais en gros, idéalement, le journaliste devrait être amateur. Il faudrait qu'il ait un métier qui n'ait rien à voir avec le journalisme, qui lui permette d'être indépendant, donc... Sa subsistance est assurée, il assure lui-même sa propre subsistance, et par ailleurs, et par passion, et gratuitement, il me semble qu'il faut que ce soit gratuit. Alors je sais que c'est déprofessionnalisant, mais précisément, Athènes tenait à ce que, et à mon avis les démocrates devraient tenir, à ce que les représentants politiques soient des amateurs. C'est structurel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie avec des représentants professionnels. Donc le tirage au sort permet l'amateurisme des représentants politiques. Et il me semble que le journalisme est très proche de cette conception. Il me semble que le journalisme, le meilleur journalisme qui soit, est celui des amateurs. Alors malheureusement, ça ne marche pas. On a un journalisme des amateurs qui est le blogging en France. Qui est important. Le problème, c'est qu'il a été... Ah non, il a été corrompu à une vitesse phénoménale par... le monde du marketing de l'entreprise qui s'est mis à offrir très généreusement tout un tas de choses aux blogueurs en contrepartie d'avoir des articles élogieux. Et aujourd'hui, l'essentiel de la production de ce journalisme amateur est au même niveau que ce qu'on trouve dans la presse traditionnelle dite de loisirs, c'est-à-dire des échanges de bons procédés entre des journalistes qui se font offrir tout un tas de choses et qui, en contrepartie, écrivent des choses sur les choses qui se font offrir. Même chose sur le plan politique, puisque les blogs politiques ont commencé à fleurir selon une méthode industrielle. Qui fait référence à un concept d'infowar que Fabrice maîtrise mieux que nous tous, et qui consiste justement à prendre position sur les grands thèmes de société au travers évidemment de militants très partisans qui font en sorte que les moteurs de recherche soient envahis au travers des résultats par les contenus qui vont bien, etc., etc. Donc c'est une méthode marketing appliquée à la politique. Ça fait que les amateurs deviennent marginaux, c'est ça ? Parce qu'il en reste quand même des amateurs. Les amateurs se professionnalisent en manipulateurs d'opinion, en faiseurs de promotion marketing, en tout un tas de choses. Mais pas tous. Enfin, si, quasiment tous. Moi, je ne suis pas professionnel du tout. Hein. Non, mais tu es une exception, on est des exceptions. Mais en dehors de ça, si on regarde dans la masse, tu prends dans les masses quantitatives et que tu regardes les 100 plus gros blogs de France et la façon dont ils fonctionnent, surtout les top 10 de chaque catégorie, et il y a ce qu'on serait tenté d'appeler corruption, enfin c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a exactement le même procédé qu'avec la presse, c'est-à-dire entreprises qui offrent des cadeaux à des journalistes, des journalistes qui... Ah non, mais c'est de la corruption. Appelons ça de la corruption. C'est exactement la même chose, on en est exactement au même stade avec le blogging qu'on en est avec la presse. Mais c'est sur le journalisme amateur, moi je rejoins, je trouve ça très, très beau et très bien, mais après, d'un point de vue théorique, c'est super. Le problème de fond après, c'est que pour avoir le temps de creuser des sujets, d'enquêter, etc., si on doit travailler à côté, ben on n'a pas le temps de les creuser. Donc, on n'a pas le temps parce qu'on est obligé d'aller ramener dans une autre activité. Quoi. On n'a pas le temps d'être à temps plein. Ça prend du temps, le journalisme, si on veut le faire bien. C'est-à-dire, c'est pas entre le blogging et le journalisme. Le blogging, c'est faire un billet d'humeur ou des choses comme ça, un peu tous les jours. On peut le faire le soir chez soi. Après, le problème du journalisme, quand on veut aller creuser, quand on veut vraiment aller enquêter, travailler un peu au corps des choses, ça prend du temps. Et ce temps-là, soit on le consomme. Voilà, c'est comment on mange. C'est un peu ça la question. Le phénomène se situe là, quoi. Donc, il faudrait peut-être qu'effectivement, il y ait des réflexions sur comment les gens s'engagent en tant que citoyens, consommateurs, acteurs dans la société par rapport au fait de soutenir, quels modèles économiques peuvent subsister. Et puis, Étienne, il y a toujours quelqu'un qui paye. Aujourd'hui, nous avons réussi ce que vous, finalement, vous suggérez. Rendez-vous. Partager notre temps. Nous avons partagé notre temps sans être à temps plein. Nous avons... regardez, cette table est un magnifique symbole. Nous sommes tous... autour d'une table ronde, donc à équidistance du centre, obligés de nous écouter parler les uns les autres. Merci d'ailleurs aux internautes qui nous félicitent de nous être mutuellement écoutés, hein, parce qu'il y a quelques commentaires très sympathiques qui disent que bon, ça marche, le débat est agréable. Je voudrais simplement pointer le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Oui, et il n'y a pas de sponsor. C'est un bon exemple. Ici, on a, voilà, ça a marché, mais regardez. Sur le plateau, des lumières, un réalisateur, voilà. Un studio, ça coûte.
petite fortune, pas grand-chose par rapport aux grosses installations de TF1. Mais malgré tout, ça coûte très cher, il ne faut pas se leurrer. Et il y a forcément quelqu'un... Et ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable. Non, on n'a pas trouvé moyen de faire de l'argent avec ce genre d'émission. Qu'est-ce qu'en pense l'économiste ? Moi, je dirais que le plus important, c'est l'échange entre les humains et ceux qui se disent. S'il y a moins de lumière, s'il y a moins de clim, si le plateau est moins beau... à mon avis, c'est secondaire. Ce sera moins sexy, ce sera moins attrayant. Détrompez-vous. Mais... Hein. 12 ans d'expérience dans le streaming, la vidéo, démontrent qu'il y a ce qu'on appelle, c'est ma petite expression perso, des déperditions. Non, il y a des déperditions d'attention. Il y a du décrochage. Parce que d'abord, la rétine de l'œil est habituée à un flux d'images de très haute qualité et que la plupart des internautes sont sympathiques et nous pardonnent le fait que nous ne soyons pas en HD. Mais tous ceux, même parmi ceux qui nous adorent le plus, ne suivraient pas 5 minutes un séminaire filmé dans l'ombre avec une mauvaise lumière et un micro qui cafouille. Ça marche pas. Il y a certainement une exception pour les contenus que fait Étienne. Mais malgré tout, le différentiel entre le même message posté à partir d'une webcam et posté dans un studio professionnel avec, là, on a 50 000 watts de lumière au-dessus de la tête, est phénoménal. Non, puis Étienne le disait lui-même, il a certaines conférences qui buzzent moins que les autres. Je suis convaincu qu'il y a un aspect qualitatif qui joue énormément. La vidéo de Genève, elle est dans le noir. Elle est très sombre, elle est noire, et il y a deux petits spots qui doivent être des 12 watts. C'est comme les lampes qu'il y a dans les salles de bain, quoi. Il y a deux mauvais spots qui éclairent les deux gus qui parlent. Et puis on les écoute parler parce que, enfin bon, voilà, il y a des sujets sur lesquels vous avez moins fait. Tu es sur l'un des sujets les plus buzzogènes qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Tu arrives à faire des scores avec un nom, aussi, vidéo avec un nom, une aura, absolument spectaculaire. Et puis il y a juste une information que vous oubliez, c'est l'information qu'on n'aura jamais. C'est quid de la diffusion de ce même contenu s'il avait été mieux éclairé, mieux filmé, mieux mis en avant, poussé comme il se doit. Vous ne pouvez pas comparer avec ce résultat qui est purement hypothétique. Il faut imaginer dans un monde parallèle ce qui se serait passé si on avait pu pousser ce contenu avec de meilleurs moyens. Il eût été vu par plus de gens que vous avez envie de toucher. Vous avez peut-être raison, j'admets. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Ce qui est interdit attire plus les humains. Nous aimons mieux ce qui est interdit, hein, d'une façon générale. Alors, ça va dans tous les domaines. Hein. Et quand on a une vidéo qui a été volée, on a fait ce qu'on a pu, elle a un capital de sympathie, un capital de crédibilité, un potentiel de contamination qui, à mon avis, est pas du tout négligeable. Alors, c'est difficile de le manipuler comme on fait une recette pour faire la cuisine. Hein. Ça vient souvent par hasard, hein, ce mélange-là. Mais à cause du côté naturel, peut-être. Oui, voilà, c'est nature. Et puis, les gens s'identifient mieux à une bande de résistants en train de résister dans une cave. Alors, c'est pas forcément sombre et mal fait. Hein. Ça peut être parce que les moyens vidéo permettent d'obtenir un résultat quand même. C'est très symptomatique, hein, de tout ce qu'on s'est dit depuis que vous êtes arrivé sur ce plateau. C'est qu'on revient encore sur ce que j'appelle, à tort ou à raison, la phase d'évangélisation dans laquelle le propos est suffisamment sulfureux, excitant, nouveau, pour susciter. Et puis il est dense et intéressant dans l'absolu, mais il est aussi suffisamment neuf pour être passionnant. Pour compenser les faiblesses techniques, mais pas seulement. Moi, j'essayais simplement de vous amener à réfléchir à ce que pourrait être un monde dans lequel vos idées et cette idée, vous ne voulez pas vous les approprier, ce que je trouve très noble de votre part, justement. Donc l'idée, dans sa viralité, dans sa puissance, s'impose. Et ensuite, on va devoir faire des trucs qui sont nettement moins intéressants. On va devoir commencer à utiliser des plateformes, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas le faire manuellement avec du papier ou avec des gens qu'on paye, etc. Il faudra bien qu'on utilise la technologie, c'est ça le fond quand même du message, et c'est la raison d'être de ce plateau. Il faudra bien qu'on utilise de la technologie pour que tout ça soit fluide et le moins cher possible, et on le fera sur des sujets moins intéressants. Donc on aura passé l'étape excitante, libératoire, où chacun, de manière décomplexée, dans la sphère digitale, va enfin pouvoir accéder à une information interdite, vous le disiez. Enfin, justement, c'est excitant, c'est en effet... En plus, ma génération, Fabrice dira pas le contraire, nous, il y a 20 ans, on consommait les films porno sur Canal+, vous savez, encrypté, donc c'est bien connu, tout ce qui est interdit, on peut le regarder dans les pires des conditions, on le sait, on a été ce genre d'ado attardé. Bon, alors, sur la chose politique et sur l'aspect rébellion de la chose, c'est magnifique. Je suis prêt à écouter un de vos discours mal filmé avec un iPhone qui a un son totalement pourri. Mais demain, quand je deviens ce citoyen engagé et que je suis confronté à la nécessité de parler de choses aussi enquiquinantes que le budget des villes, etc., de l'éducation, etc., et, bon, c'est là qu'on a besoin d'imaginer quelque chose de viable. Le moment où
on a réussi à désinstitutionnaliser tout ce qu'il était, parce que c'était entre les mains de politiques, et qu'on a réussi enfin à mettre à jour cette corruption ambiante. Hein, on a fait le ménage. Bon, maintenant on fait quoi? Et moi, j'aimerais pouvoir imaginer cet outil. J'ai rêvé à cet outil un jour, ça m'a empêché de dormir. Il y aurait peut-être une magnifique plateforme, une sorte de Facebook démocratique qui pourrait fonctionner. Mais c'est là que j'aimerais avoir votre réaction. Je voudrais savoir si vous avez eu ce rêve. Et quand on en parle, vous revenez encore à la phase nécessaire, hein, qui est votre force et que vous faites très bien, qui est celle qui consiste à éclairer les esprits. Mais essayez de vous projeter dans l'après. Comment ça pourrait fonctionner? Avez-vous rêvé de ça? Je reviens à ma question. Moi, quand je vous parlais de Demex, je trouvais que c'était un bel exemple de quelque chose qui pourrait fonctionner. Un bel outil que je puisse imaginer sur le plan politique pour nous relier bien, c'est-à-dire arriver à nous compter les sujets qui comptent pour nous, nous apercevoir de sujets qu'on n'avait pas repérés et qui, en remontant à la surface, nous deviennent sensibles d'un seul coup par l'effet justement de cette communication. Éventuellement la traduction simultanée qui nous permettrait de nous apercevoir que ce Norvégien a trouvé une idée géniale qui me serait complètement passée à côté si je n'avais pas traduit au fur et à mesure. Donc ce qu'on pourrait faire avec l'outil Internet sur le plan politique pour créer cette espèce, l'équivalent d'une agora, c'est-à-dire d'un endroit où nous parlons tous, et ça, en évitant le brouhaha que serait une véritable agora, parce que l'Internet permettrait de clarifier, de décanter, de sélectionner, de trier, de faire remonter à la surface, soit sur la date, soit sur le vote, soit sur l'émetteur qu'il a produit, parce que j'ai trouvé que lui a déjà trouvé une bonne idée, ben, si je veux voir les autres idées qu'a eu ce bonhomme. Enfin, il y a plusieurs filtres tout à fait pertinents qui permettent de trier. Alors admettons, l'outil est génial, il fonctionne, les idées qu'on y trouve sont excellentes, c'est à nous de ça marche. Et là, les geeks, enfin, les spécialistes très bien, informatiques... Très bien, mais qui gère cet outil? Qui sélectionne les bonnes idées? Qui gère ce brouhaha? Qui contrôle que c'est honnêtement fait? Enfin, oui, bien. Qui assure la maintenance? Qui finance? Il y a un exemple peut-être à prendre. Alors un exemple de... Donc, en fait, si GNU Linux serait resté dans l'ombre et confidentiel très longtemps, une communauté importante sur la planète, mais en tout cas, par exemple, sur le grand public et en France, s'il n'y avait pas eu Ubuntu. Et Ubuntu, c'est quoi? C'est une distribution qui est devenue, mais la plus, je crois qu'on est à 80% des postes maintenant pour les portables, ça, qui sont installés avec Ubuntu. C'est un milliardaire en Afrique du Sud qui a financé Ubuntu, qui donc se télécharge gratuitement, on peut même se commander les CD pour 0 euros, etc. Bon. Voilà. C'est ça qui s'est passé pour que GNU Linux devienne un logiciel accessible, gratuit. D'une façon générale, pour que les révolutions aient lieu, il faut que certains individus des classes privilégiées trahissent leur classe. On parle de George Soros, là. On parle de Soros, là. Ben exactement. Mais non, mais c'est peut-être de Soros que viendra le financement qui permettra au peuple de s'émanciper. Non, mais c'est possible. C'est souvent... Enfin, je crois que c'est même presque toujours comme ça. C'est-à-dire que quand les esclaves se révoltent, tout seuls, s'il n'y a pas des riches derrière pour trahir leur classe et aider les esclaves se font écrabouiller à peu près à tous les coups, je crois. Il n'y a pas d'exception. Chers amis internautes et chers amis invités, je vais malheureusement devoir interrompre ce plateau pour le bien du rendez-vous suivant d'Étienne, qui m'en voudrait si je ne le fais pas. J'ai renoncé, vous l'avez remarqué, à tenter de séquencer plus. C'est impossible. Donc, voilà le fruit de cette expérimentation. C'est qu'il est impossible d'appliquer ici les règles de la télé traditionnelle. J'y aurais été forcé, pieds et poings liés, si mon principal actionnaire avait été Bouygues et que nous étions TF1, etc. Parce que les pages de publicité m'y auraient contraint, que la promotion de mes amis dans mon réseau de VIP m'aurait peut-être aussi obligé à un moment donné à couper la parole à Étienne pour qu'un clown puisse dire quelque chose de drôle et que puisse parler de son prochain spectacle. Je suis ravi que ça ait foiré, en gros, voilà, parce que nous ne sommes pas dans cette espèce de petite démocratie spectacle ridicule. Notamment des gens comme Ruquier ou tant d'autres font des choses que je trouve profondément ridicules, donc je suis vraiment heureux d'être nul et d'être un mauvais présentateur, de n'être qu'un blogueur qui fait ça mal, qui annonce 15 minutes et qui tient une heure. Je trouve ça merveilleux parce que c'est une forme de liberté qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a rien de bordélique. Nous avons donné la parole à quelqu'un qui nous semble important, nous l'avons écouté, nous nous sommes parfois tus, mais nous l'avons contredit, il a répondu, il a fallu qu'on prenne le temps, il a fallu aussi que je puisse citer certaines de vos réactions. À partir de maintenant, avant de vous dire au revoir, je vous demande simplement de revenir sur le site politoscope.tv si vous en avez l'envie, et de ne pas hésiter, ne pas être timide, proposez vos idées de sujets.
il y a eu à peu près ici, si je voulais simplement trouver des pistes, de quoi alimenter 800 sujets sur l'année. On ne pourra pas tous les financer, mais on pourra évidemment, en toute modestie, de façon très transparente, sur ce site, faire apparaître, vous verrez d'ailleurs, si vous vous baladez dans les environs de la barre de navigation, vous verrez qu'il y a la liste des sujets proposés par les internautes. Vous pouvez voter pour ces sujets, vous appuyez sur un petit bouton, donc c'est très simple, ça prend 2 secondes. Et nous, on va savoir les sujets qui vous intéressent le plus, donc j'entends par là qu'il s'agit d'un processus totalement transparent. Nous ne sommes pas nous-mêmes influencés, ni partisans. Nous n'avons pu lancer cette initiative politoscope.tv que parce que nous sommes, par ailleurs, totalement agnostiques en politique, totalement je m'en foutiste des urnes et des partis, ce qui tombe bien. Donc ça veut dire que cet espace est le vôtre. Appropriez-le vous, j'ai réussi à le dire. Et j'espère à très bientôt, donc, avec vos idées, vos suggestions. Merci à tous ceux qui ont vraiment été très, 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 très chouettes sur le chat. Et merci à Étienne Chouard et à nos panélistes d'avoir participé à cette préparation et à ce plateau. À bientôt.